Daniel sang. Daniel sang, bébé. Bébé, Daniel sang, bébé. Daniel sang. Ah, bébé, Daniel sang, bébé. Daniel sang. Toi, si là, Aïcha Kamouaz, tu vas laisser le nom des gens en paix. Tu t'es d'abord resté ici. On t'a envoyé, je sais pas si tu, on t'a envoyé mon dossier. On t'a dit que je vends le piment en Belgique. Tu as fait les captures d'écran de mon annonce. Tu as parlé de ça dans les réseaux sociaux. Toi, Aïcha Kamouaz. Jusqu'à tu dis que pourquoi est-ce que quand l'Indepso là arrive en Europe, ils aiment toujours vendre le piment. Pourtant, ta mère et toi, vous avez fait le waka ici en France. Ta mère, c'est la plus grosse waka à l'époque. Dans les 1900, ouais, ta mère, je parle de ta mère qui t'a mise au monde. Elle a fait les camions ici. Ce que les plores de l'île ont fait. Ta mère, c'est la doyenne. Donc la reine mère du waka. Tu comprends avec quoi? La mère là, c'est la mère là du waka en France. Mais tu vas venir parler aux gens. Quand on regarde même d'abord, en tout cas, toi-même, tu dis de ta propre bouche que tu n'es pas une sainte. Avec tes tatouages, on le juge par exemple avec les tatouages. Toi-même, tu étais une grosse waka. À l'époque, les 2008-2005, là, je vous dis, c'était pas trop, il n'y avait pas trop les Instagram, les machines pour vendre le piment. C'était les annonces, on payait les journaux. Il y avait les journaux, maman, tu payes le jour. Et c'est ce que les Aïcha faisaient avec sa mère. C'est parce qu'à l'heure actuelle, pour retrouver ces journaux-là, c'est difficile. On a piégé Aïcha même en 2012 avec sa mère. Elle a débarqué avec sa mère pour la vente de piment. Elle va s'asseoir pour parler des gens que, oh, je travaille sur indépendant, je me bats. Sors-tu pas de travailler! Mantou, sors-tu pas de travailler! Tu as compris avec quoi? Sors, va travailler. Hein? Tu vends les perruques. Tu t'assois, tu commandes les choses sur AliExpress à 20 euros. Tu viens prendre, tu viens vendre à 200 euros. C'est même les fausses perruques. Les histoires que tu ramasses en Chine. Les fournisseurs Koolili. Tu vends les histoires. Les choses que les femmes doivent mettre dans leur pot. Les choses que les filles mettent dans leur pot. Je vois les incensés, les tu laisses le saporel. Je parle des petits qui bêtes qui te suivent. Hein? Les petits qui n'ont pas de cerveau. Je ne sais pas si on fait ce qu'on appelle même la science de la vie, de la guerre en terminale. Tu laisses le médecin, le gynécologue. Pour prendre les choses, les obules que Aïcha Kamouaz va mettre dans ta flore vaginale. Elle-même là, elle a une top série. C'est vous qui voulez les top séries et vous tout avec les 25 cm. Tous les jours, tu mets 25 cm dans ton top. Et tu veux que ça soit serré. Si tu as une top serré, Dieu crée tout le monde à ta pointure. Il y a les femmes qui ont les larges tops. Les femmes qui ont les petites tops. Quand tu as le large top, cherche le gars qui a le gros wangala. Comme ça, vous allez. Chaque personne trouve sa pointure sur la terre. Même les gars qui disent qu'ils aiment les top séries là. Lui-même, il est comment? Souvent, ils ont les wangala penchés. Souvent, les wangala là, sans. Tu veux même descendre même pour l'appeler, même pour faire l'appellation. Ça ne monte pas jusqu'à. Ça pue. C'est vous. Le meilleur accessoire qu'une femme peut porter, c'est la confiance en soi. Vous avez compris avec quoi? La confiance en soi. Voilà. Et puis c'est tout. Il n'y a pas les critères de beauté. Je ne dois le petit corps à personne. Il y en a qui me disent, moi, tu as trop de poids. Et puis quoi? Hein? Je vais te voir le meilleur ventre parce que je vais plaire à. Donc, Aïcha Kamouaz, tu vas laisser mon nom. Tu vas se dire avec quoi? Toi, la vieille, tu vas laisser tes choses que tu ne me connais même pas. Un, je vais débarquer avec la police là-bas dans ta boutique. Tu vas montrer la facture de toutes tes perruques. Tu le connais, mais tu ne me connais même pas. Moi, je ne ris pas. Hein. Je ne ris pas. Moi, je suis ce qu'on appelle Mami Wata. Je suis l'ouragan. Il y a des gens qui ne me tracent pas. Je vais débarquer là-bas en France. Je ne connais même pas mes bras. Là. Je suis en Belgique, mais je t'atteigne là-bas. Je vais débarquer avec la police. Dans ta boutique, ta boutique là. Il faut laisser mon nom. Tu as compris? Sors-tu pas à travailler? Tu as compris avec quoi? Ne pense pas qu'être créateur de contenu, faire le Congo ça, et après faire des pauses publicitaires sur le travail. Sors, tu as les mains, tu as dit toi. Après, on va parler de Chada. Chada m'a abandonné. Tu es la seule femme qu'on a abandonné avec les enfants. Il y a les femmes à bas qu'on a abandonné avec 10. Toi, tu vis en France, on t'a abandonné seulement avec deux enfants. Hein? Il n'y a pas les allocations familiales. Tu as toutes les allocations familiales. Pas là qui ici. On abandonne la BAFA, même un euro, on ne donne pas. Même un franc. Il n'y a pas. Tu veux jouer ça? Tu fais ça à qui? Daniel Sang, je ne peux pas laisser. Il faut la traiter. Quand Aïcha va rentrer au Cameroun, arrêtez là. Elle a détruit la vie de beaucoup de personnes. Tu as compris avec quoi? Tu vas arrêter le Congo ça là. Je vais t'arrêter Aïcha. Tu as compris avec quoi? Toi, ta chance, tu ne viens jamais à Bruxelles. Je te vois à Bruxelles. Bien. On t'envoie un truc, tu peux pas garder pour toi. Hein, Sata. Woko, hein, Sata. Hein, Aïcha, Kanto, Kanto. Woko. Hein, Sata. Daniel Sang. Daniel Sang. Daniel Sang. Daniel Sang. Daniel Sang. Daniel Sang, bébé. Bébé, Daniel Sang, bébé. Daniel Sang. Ah, bébé, Daniel Sang, bébé. Daniel Sang. Daniel Sang. Daniel. Daniel Song. Daniel Song. Daniel. Maman. Daniel Song. Daniel Song, depuis que j'ai vu ton wangala, je n'arrive plus à dormir, bébé. Bébé, Daniel Song, je n'arrive plus à dormir. Tu sais que les petits wangala, c'est bien pour. C'est. Là, quand c'est les petits wangala comme ça, ça ne lâche pas vite. C'est ton style là que j'adore, bébé. C'est le genre qu'on chatouille seulement, maman. Tu prends ton pied, maman. Les gros wangala là, ce n'est pas bon pour le rectum. Maman, Daniel Song, pardon, viens. Daniel Sang, je vais te prendre, même si toutes les femmes te refusent, maman, ton truc là, maman, ton. Ton wangala, mon combat, ton wangala, c'est mon combat, Daniel Sang, maman. Aïcha Kamouaz, elle ne peut pas, elle m'a fait du bien. Aïcha, tu m'as fait du bien. Daniel Sang, ton wangala, c'est mon combat. Alors, je vais te payer le billet d'avion, maman. Le billet d'avion, tu viens me retrouver, c'est à Bruxelles, pardon.
Daniel son, je t'aime, c'est un mauvais vent. Shakiro t'aime, elle t'aime. Daniel son. Waouh, Shakiro, le tout c'est là, non, tu as fini avec papa. Tu m'as mis capao. Que oh, Daniel son. Daniel son. Daniel son. Baba, on peut faire ça, Camerounais. Qui es-tu? Voilà l'exemple palpable, même qui met en exergue l'anecdote selon laquelle le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà ça. Voilà Shakiro. Le bonheur de Shakiro a été fait. Voilà pourquoi je dis que dans cette vidéo, il se contredit un peu parce que, au début, il accuse Aïcha Kamouas d'avoir divulgué une information aussi privée sur Daniel San. Mais par la suite, il a remercié encore. C'est lui-même qui l'a remercié de lui avoir fait découvrir. En fait, le tot de Daniel San. Le tot de Daniel San qui a son goût, les dimensions qu'il faut pour lui. Maman, vous voyez les choses alors. Sinon, en gros, non, mais tout lieu, non. Moi, je suis d'accord avec Shakiro sur ce point-ci là. Aïcha Kamouas, c'est quand même une blogueuse avec une certaine renommée. Elle a déjà 1 million d'abonnés et plus, donc elle n'aurait vraiment pas dû divulguer cette information. Je me demande ce qui a bien pu la pousser à parler de ça, la recherche des vues ou quoi, des abonnés. Elle a déjà plus de 1 million d'abonnés. Les gens veulent toujours plus, encore plus et encore plus. Moi, je suis pas d'accord cette fois-ci avec Aïcha Kamouas. Elle aurait pu recevoir la vidéo comme elle reçoit aussi plusieurs autres informations qu'elle décide de ne pas poster. Mais cette fois-ci, je me demande pourquoi est-ce qu'elle est venue poster l'information privée là sur Daniel San. Pourquoi? Sachant qu'avec tous les abonnés qu'elle a, l'information devait aller à la vitesse de l'éclair. Et ça a été le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Voilà, Daniel San, ton image a été ternie. Après, comme on a dit, on ne sait pas si c'était le buzz, si c'était une histoire arrangée de toutes pièces et tout. Mais en fin de compte, pour l'instant, qui paye les pots cassés, c'est Aïcha Kamouas, parce que c'est elle qui a pris l'information privée et a posté sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes lui en veulent, et moi aussi. Parce que je me dis qu'une personne intègre, une personne réfléchie, quand elle reçoit ce genre de vidéo, la première chose qu'elle devrait faire, c'est supprimer la vidéo. Supprimer, parce qu'on ne sait jamais, même en ne pas supprimant, ayant des enfants à la maison, ha, les enfants qui viennent toujours toucher les téléphones des gens là, sans demander, tu te rends seulement compte que l'enfant a déjà envoyé les messages sur WhatsApp et tout. Voilà comment l'enfant même peut divulguer l'information involontairement. Et l'information est répandue. Alors que si tu avais reçu l'information et supprimé, ce genre de choses ne serait pas arrivé. Donc moi je dis que, ah, pour l'intégrité de toute personne, ce genre de vidéos ou de messages bizarres, normalement, on devrait supprimer ça. On devait supprimer. En tout cas, c'est mon avis. Et moi, je ne dis pas à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Je donne seulement mon avis. Après, chacun est libre de ses actes. Mais après, quand tu commets tes actes, tu assumes aussi, non? Tu assumes, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Shakiro sur ce coup-ci-là. Il y a des informations qu'on ne publie pas vraiment. Même si c'est pourquoi, il y a des informations qu'on ne publie pas du tout. Voilà que son passé est encore ressorti. Vous voyez? Je dis tous les jours que notre passé, non, ça nous suit. Et parfois, il y a certaines choses de notre passé qui nous suivent jusqu'à l'au-delà, jusqu'à sous terre. Ça va nous suivre. Maintenant, elle est venue parler d'une tote de Daniel San. Voilà que chacun revient encore ressasser le passé sur son histoire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne t'arrête pas à parler d'elle, mais il ajoute encore sa maman sur ça. Voilà aussi la partie qui m'énerve, Shakiro. Toi, toujours, tu ne peux pas parler de la personne qui a parlé. Tu viens toujours mélanger tout. Tu devais te limiter à parler uniquement d'Aïcha Kamouas, pas de sa maman. Moi, je dis toujours, respectons nos mamans, respectons-les. Et Adama, en tout cas, oh, venez laisser vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage, s'il vous plaît. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous proposons en plus des accessoires comme le pistolet Tirelet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge, afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. The second time and the second day, you with love and you don't believe. Everyone you see, you be a timing. Say I'm sorry.